faut quand même que je vous dise pourquoi le bistrot du Grand Large, il est tellement important dans la vie des gens là-bas en Bretagne. Parce que vous savez, tous les pays ont un centre du monde. Il y en a pour qui c'est Lourdes ou Rome, d'autres pour qui c'est la Mecque. Pour les Bretons, le centre du monde, c'est le bistrot. C'est comme ça. On n'y peut rien. Ou plutôt, c'est plutôt ce qu'on appelle le café-épicerie. Il faut être précis, parce qu'un café-épicerie, ça fait 20 mètres carrés. Mais c'est plus grand que Carrefour, Casino, Mammouth, Continent, Intermarché et Leclerc réunis. Parce qu'à l'intérieur, on trouve tout ce qui est nécessaire à la vie des hommes. Par ordre de priorité, vous avez tout à fait en haut, vous avez les boîtes de sardines à l'huile et de pâté et naff. Ça, c'est sacré. Et puis en dessous, vous avez les galettes de plébin, pur beurre. Et puis après, vous avez les chaussons, vous avez les épingles à linge, les sabots. Et tout à fait en dessous, sous le comptoir, vous avez le casier en plastique, comme les 12 saints qu'il y a sous le porche de l'église. C'est la preuve que c'est Dieu qui l'a consacré. Et à l'intérieur de ce casier en plastique, il y a les 12 bouteilles de différents vins de la communauté européenne. Et alors, si vous voulez savoir pourquoi c'est tellement important, c'est parce qu'il y a tout ça. Mais surtout, dans la cuisine, il y a la grande cuisinière en fonte. Et sur le coin de la cuisinière, il y a la cafetière, la grecque. Vous savez, la grande cafetière en émail. Si vous aimez le café frais, il faut aller au lever du jour. Mais si vous êtes comme la majorité d'entre nous, si vous aimez le café bouillu, il faut attendre. Parce que toute la journée sur le coin de la cuisinière, vous avez la cafetière qui est en train de blobloter tranquillement. Et Marie Talek, elle sert le café dans des bols avec un liseré doré. Elle le remplit au rabord, presque à déborder. Et on lui dit, mais Marie, arrête, ça va déborder sur la toile cirée. Elle dit, mon garçon, t'occupe pas de ça. Il faut que le bol soit rempli comme ça, l'ankou, anankou. La mort, elle pourra pas se mettre par-dessus. Il y a des cultures qui sont à la limite entre les mondes. Et ici, on est toujours à cheval entre deux univers. Le réel, finalement, n'est pas tellement intéressant. Enfin, ce qu'on appelle le réel. Dès que l'occasion se présente, on file sur l'autre bord, quoi. On est au bout du monde, le soleil descend tous les soirs, là. C'est comme une porte, quoi. Il suffit que tu pousses la porte et t'es parti de l'autre côté. Alors, moi, je dirais pas une fuite de la réalité. Je dirais une quête de la réalité. Parce que le réel, il n'est pas celui qu'on croit. C'est-à-dire, le réel, il n'est pas... On veut nous faire croire que le réel, c'est aller au boulot le matin, conduire sa bagnole, réussir socialement et, tu vois, avoir plein de fric. C'est pas le réel, ça. Ça, c'est une des formes qu'on prend quand on est un être humain et dont on a besoin. Mais le réel, c'est qu'est-ce que c'est que le monde? Qu'est-ce que c'est que la profondeur du monde? Qu'est-ce qui fait qu'on vit? Pourquoi on est là? Qu'est-ce que c'est que d'être un être humain? Qui a créé tout ça? Qui est Dieu? C'est quoi? Qu'est-ce que la mort? Voilà, c'est ça le réel. Le reste est un recouvrement de ce réel. Et je pense qu'il y a des gens et peut-être des cultures qui sont
plus tournée vers l'interrogation sur l'autre monde. Et la culture celtique, elle est sans arrêt tournée sur cet autre monde. Roimard était un homme cruel et impitoyable. Et on disait qu'il avait un cheval extraordinaire qui galopait plus vite que le vent à la surface de la terre. Et il y avait même des gens qui racontaient qu'ils avaient vu le cheval du roi courir à la surface de la mer et ils l'avaient appelé Morvar, le cheval de la mer. Et ce matin-là, le roi était à peine sorti de son palais. Qu'il avait aperçu une tache blanche qui filait sur l'horizon. C'était un animal et le roi avait lancé son cheval à la poursuite de la tache blanche. Mais pendant des heures et des heures, il avait été incapable de s'en rapprocher. Et vers la fin de la journée, il s'était retrouvé juste en haut de la falaise. Devant lui, il y avait l'étendue infinie de la mer. Mais entre lui et le bord de la falaise, il y avait l'animal qu'il avait poursuivi toute la journée. Et enfin, il pouvait voir ce que c'était. C'était tout simplement une biche, mais une biche d'une blancheur de neige. Le roi l'avait regardé, et au moment où il allait prendre son arc, il avait vu l'animal sauter du haut de la falaise pour échapper à la mort. Le roi était descendu de son cheval, il s'était approché du bord de la falaise, il s'attendait à trouver la biche écrasée sur les rochers, elle était bien au pied de la falaise, mais elle n'était pas morte. Elle était posée sur une roche qui affleurait au ras de l'eau et elle attendait. Le roi avait souri, il avait pris son arc, et cette fois la flèche était partie en sifflant, et à l'instant où elle allait frapper l'animal sur le rocher, le roi avait vu une chose hors du sens. Il avait vu la biche faire un léger écart sur le côté, et au moment où la flèche passait à côté d'elle, elle l'avait attrapée entre les dents. Et d'un mouvement du cou, elle l'avait renvoyé en haut de la falaise et le roi avait vu revenir sur lui à une vitesse folle la flèche qu'il venait juste de lancer d'instinct parce que c'était un chasseur. Il s'était baissé. Il avait senti la flèche qui lui passait au ras de la tête et derrière lui un bruit sourd, un hennissement terrible. Il s'était retourné et il avait vu son cheval Morvar avec la flèche enfoncée dans le poitrail. Le cheval était tombé sur les genoux. Il avait basculé du haut de la falaise, il était tombé dans la mer. Et le roi contemplait son cheval qui flottait à la surface de l'eau, mort. Le roi aurait donné sa vie et son royaume pour son cheval. Et quand il sort enfin de sa stupeur, il est pris d'une fureur sans nom. Il descend la falaise en s'agrippant à la roche, il rentre dans la mer, et quand il est près du rocher, il tire son grand couteau de chasse et à l'instant où il va frapper l'animal, il entend un rire. Et à la place de l'animal sur le rocher, il aperçoit une jeune femme. Une jeune femme d'une beauté absolue. Il la reconnaît aussitôt. C'est la princesse de la ville engloutie au fond de la mer. Et la princesse le regarde et lui dit, « Roimard, tu es un homme cruel, tu m'as poursuivi toute la journée, tu as voulu ma mort, je pourrais te tuer à mon tour. Mais le châtiment que je vais t'infliger sera encore pire que la mort. » Et la princesse a fait un geste avec la main dans la direction du cheval qui était mort. Vous m'entendez? Mort. Le roi a vu son cheval se redresser, galoper à la surface de la mer, s'arrêter près de la princesse. Il l'a vu poser une main sur la crinière du cheval et il a senti l'autre main s'appuyer sur sa tête et il a entendu la princesse qui disait « À partir d'aujourd'hui, Roimard, tu porteras sur la tête les oreilles et la crinière de ton cheval Morvar. » Il l'a vu sauter sur le dos du cheval. Le cheval a disparu à l'horizon de la mer et lui, il a senti pousser sur sa tête deux longues oreilles et la crinière d'un cheval noir. Et quand il est sorti de sa terreur, mettez-vous à sa place si pareille aventure vous arrivait. La nuit était déjà presque tombée.
et profitant de l'obscurité, il a regagné son palais sans que personne ne l'aperçoive. Et quand il a été dans ses appartements, derrière la porte, il a appelé ses serviteurs. Et il leur a demandé de tendre une grande voile noire au travers du palais et que personne jamais ne franchisse cette voile sous peine de mort. Et à partir de ce jour-là, plus personne n'a revu le roi Mar dans le monde des hommes. Et tout le monde se demandait quel terrible secret il pouvait bien cacher. Tout le monde, sauf le vieil homme qui venait tous les jours pour couper la crinière sur le dos du roi. Le roi lui avait laissé la vie sauve à une condition, c'est qu'il n'aille jamais raconter ce qu'il avait vu. Le vieil homme avait promis de tenir sa langue, il a tenu sa langue et son secret, mais un secret, c'est comme une pierre attachée autour du cou d'un homme qui est en train de se noyer. Il n'osait plus ni fermer l'œil, ni ouvrir la bouche pour boire et pour manger. Alors, un matin, il a quitté sa maison. Il a traversé la ville, il a pris le chemin, il est arrivé au bord de la grève et quand il a été sur le sable, il a creusé un trou profond. Et quand le trou a été assez profond, il a mis sa tête dans le trou et il a écouté. On n'entendait plus rien, ni le vent, ni les oiseaux de mer, ni les vagues qui roulaient sur la grève. On n'entendait que le silence de la terre. Alors, dans le silence de la terre, il a ouvert la bouche et il a senti rouler dans sa poitrine les mots terribles qu'aucune oreille humaine jamais ne devait entendre. Le roi Mar a les oreilles et la crinière de son cheval Morvar 3 fois. Et quand il a sorti la tête du trou, il a écouté. Personne ne l'avait entendu. Il a rebouché le trou avec le sable et il est reparti sur le chemin et quand il a repris le chemin, on aurait dit qu'il avait retrouvé toute sa jeunesse, mais dans son dos, là où il avait crié, il y avait 3 roseaux qui s'étaient mis à pousser. Mais le vieil homme ne les avait pas vus, parce que les hommes ne regardent jamais ce qu'ils ont derrière leur dos. Il est rentré chez lui, il a complètement oublié toute l'histoire, et 3 mois après, le roi a marié sa sœur. Et pour le mariage de sa sœur, il a fait venir tous les musiciens du pays. Et parmi ces musiciens, il y en avait 2 qui étaient passés le long de la grève, là où le vieil homme avait crié. Et dans le sable, ils avaient trouvé 3 roseaux. Ils les avaient coupés pour faire des anges, pour leur bombarder leurs biniou. Et ce matin-là, quand ils sont arrivés dans le palais du roi, qu'ils ont pris leurs instruments de musique et qu'ils ont commencé à souffler dedans, ce qui est sorti des bombardés des biniou, ce n'était pas un air à danser. Ce qui est sorti, c'étaient les mots terribles. Les mots qu'aucune oreille humaine jamais ne devait entendre. Le roi Mar a les oreilles et la crinière de son cheval Morvar 3 fois. Le silence est tombé dans la grande salle du palais et tout le monde s'est tourné vers la voile noire où le roi était enfermé depuis des semaines et des mois. On a vu la voile se soulever et le roi est apparu aux yeux de son peuple pour la première fois depuis bien longtemps. Il a arraché l'écharpe de soie noire qu'il avait autour de la tête et tout le monde a aperçu les longues oreilles du cheval et la trace de la crinière noire. Le roi s'est avancé, et au fur et à mesure où il s'avançait, les gens s'écartaient pour le laisser passer. Il ne pouvait plus régner sur son peuple, puisque tout le monde connaissait son terrible secret. Il est sorti du palais, il est sorti de la ville, il a disparu au bout du chemin, et personne, vous m'entendez, personne ne l'a jamais revu. Mais on raconte que certains soirs, là-bas, tout au bout de la terre, on raconte qu'au moment où le soleil va descendre à l'horizon, on aperçoit en haut de la falaise un homme étrange. Vous le reconnaîtrez aussitôt. Il porte sur la tête 2 longues oreilles de cheval et une crinière noire. C'est le roi Mar lui-même qui s'en va tous les soirs dans une grande barque noire, dans la direction du soleil qui se couche pour chercher les âmes des marins noyés pendant les tempêtes. Et quand sa barque est pleine, il les emmène de l'autre côté du monde, dans l'île de l'éternelle jeunesse et du temps sans retour. Quand le jour se lève, sa barque s'échoue sur la grève, il remonte le sentier en haut de la falaise, la porte de sa maison se referme derrière son dos. C'est le jour qui commence pour nous autres les hommes.
La barque noire du roi Mars, c'est la barque des morts. Bacchnos, la barque de la nuit, c'est la barque du passeur, c'est celle qui amène les âmes de l'autre côté du monde. Mais c'est aussi celle qui amène les hommes d'une rive à l'autre. Et ici, sur le bord de la Laïta, il y a bien longtemps de ça, il y avait un gars qui faisait le passage là, entre les deux rives. Les passeurs ont toujours été des gens qui font le passage entre les deux rives, réellement et puis aussi symboliquement, entre ce monde-ci et l'autre monde. On va retrouver la même structure symbolique dans une histoire en Russie, dans le Périgord ou en Bretagne, comme s'il y avait un fond commun d'histoires qui appartiennent à l'humanité et que chaque culture, chaque peuple accorde à sa spécificité, à ce qui lui est propre. Ici, c'est un endroit du dedans, c'est un endroit de la forêt. La forêt est juste là, derrière, il y a une dizaine de kilomètres de forêt sur le bord de la Laïta. C'est un endroit d'eau dans lequel la marée remonte jusqu'ici. Là, on a la marée descend, on voit la vase qui se retire. Les oiseaux de mer viennent ici comme un lieu de un petit peu en arrière du large. Il y a des cormorans, il y a des mouettes, mais il y a aussi des hérons. C'est un mélange entre les deux mondes, la forêt, la rivière, l'eau douce et l'eau salée qui remonte. Ici, c'est une rêverie du monde. On passe de ce monde-ci dans l'autre sans s'en apercevoir. C'est quand même le lieu, c'est un des lieux encore de la socialité. Je veux dire, c'est, il y a quelque chose de terrible, quoi, dans l'idée que les cafés pourraient disparaître. Et effectivement, ils sont menacés. Ça va devenir des lieux à protéger culturellement, parce que c'est un des derniers endroits où se mélangent les gens. Des gens, ici comme ailleurs, vivent sur des modèles séparés, chacun dans son petit coin avec ses amis, on ne sort plus. Et le café est encore un des endroits où on peut se retrouver en dehors des cadres sociaux. C'est un lieu d'aventure, c'est un lieu de chaleur, c'est un lieu d'appartenance humaine. Et on se retrouve au bistrot, des gens de mon âge, régulièrement pour boire un coup, simplement pour dire, eh bien, on est dehors, le monde nous appartient. Il n'y a pas qu'à 20 ans que le monde t'appartient. Et tout d'un coup, il y a une espèce de catalyse qui s'opère.
et on sent un vent de folie qui passe. Et en fait, c'est l'autre face des gens dans ce pays. C'est-à-dire que autant ils sont mystiques et partis sur l'autre monde, autant ils sont dans le délire, la folie, les mondes imaginaires qui se créent, et puis la fête, quoi, l'alcool, il faut boire. C'est quand tu lis les poèmes épiques irlandais, quand tu vois les mecs, les fiestas qui se font. Mais c'est ça, quoi. Alors, c'est des guerriers, ça se termine toujours par des disputes, mais c'est toujours, il y a le chant, il y a les poèmes épiques, et puis il y a la boisson, quoi. Et là, on est dans cette espèce de creuset, si tu veux, où on est un vaisseau parti dans la nuit, et le monde peut bien avoir disparu autour si en sortant de chez Fanny, on s'était retrouvé dans l'infini noir et glacé des galaxies, personne n'en aurait été étonné. Peut-être qu'il y avait une éternité qui s'était passée, quoi, tu vois. C'est un hors-temps, un hors-monde. Finalement, je travaille pas tellement chez moi. J'ai besoin du monde extérieur, comme tu as pu t'en rendre compte, pour exister. Finalement, je tourne toujours autour des mêmes choses. Comme un écrivain, quoi, un conteur, finit par s'apercevoir qu'il a les mêmes obsessions. Et moi, c'est toujours les mêmes. C'est le voyage, le chemin, la mise en route, l'ailleurs, la mort. On peut pas dire qu'on devient conteur. Moi, je dirais pas on devient conteur. Je dis on est conteur. On n'est pas au sens de la naissance, mais au sens de l'être. C'est-à-dire qu'il y a, je crois qu'il y a des gens qui sont des gens de la parole dans le monde. Comme il y a des gens qui sont des gens de faire les choses. Moi, j'ai un copain, tu lui donnes un clou et puis un morceau de bois et tu fais un ordinateur, quoi. Il faut qu'il bidouille et il va être sans arrêt du matin au soir en train de travailler parce qu'il a besoin d'une prise concrète sur le monde. Bon, moi j'aime bien travailler avec mes mains, j'aime bien cette prise-là, mais fondamentalement, mon mode de me tenir debout entre la terre et le ciel, c'est de parler. Parce que c'est créer des mondes qui sont aussi éphémères qu'éternels, c'est-à-dire dans le temps dans lequel tu es dedans, ils existent dans l'absolu, et puis, dès que tu as fini de parler, ils s'en vont, c'est fini. Et je crois qu'il faut d'abord aimer cette relation au monde, avoir besoin de cette relation au monde. Et après, tu vas rencontrer sur ton chemin des choses qui vont te permettre de grandir dans cette direction-là. Il faut avoir un peu d'activité physique, moi j'en ai besoin. Oh, je m'encrasse. Et ça, les pommes filent. Ouais, là, c'est celles qui sont restées, qui n'ont pas été ramassées.
elles sont pas encore... Tu peux encore les manger, mais elles commencent là, déjà à être presque trop mûres, quoi, tu vois. Et les pommes vont pas bien se garder cette année, tu sens ça, quoi. Parce que d'habitude, tu peux avoir des pommes, on a des pommes jusqu'en février, mars, tu vois, on les garde dans la grange. Et là, on sent dès le mois de novembre, elles commencent déjà à être presque trop mûres. Donc elles vont sans doute pourrir assez vite. La première fois que j'ai raconté, c'était au festival interceltique. Dehors, sous la pluie, sous un arbre. Puis bon, tu vois, c'est parti. Puis après, ça fait un peu plus de 12 ans, 13 ans, tu vois, que ça s'est mis en place. Mais ça s'est fait imperceptiblement, ça s'est fait par passage. Tu vois, il n'y a pas eu du jour au lendemain une activité qui a remplacé une autre. Et dans ma vie, j'ai jamais fait ça. C'est toujours une activité qui commence à recouvrir l'autre et qui commence comme un espace de plaisir. Et puis petit à petit, quand je commence à rentrer là-dedans, que je creuse, j'ai envie d'aller plus loin. Et ayant envie d'aller plus loin, ben souvent ça devient une activité économique et sociale. Et puis l'autre s'efface. Mais elle continue à rester. J'ai toujours mes marteaux, j'ai toujours mes scies, j'ai toujours mes clous. Je suis pas manchot et je sais bien que si un jour j'ai ce travail que je fais, ben ça marche plus. Je suis pas dans la misère. Je sais faire du jardin, je continue à en faire. Je peux élever des trois lapins. Je peux prendre mon marteau et aller chez le voisin et lui demander s'il a pas du boulot pour moi. Tu vois, c'est... Je considère en plus le travail manuel, enfin l'activité manuelle comme quelque chose de fondamental. Et pour moi, c'était une manière de devenir quelqu'un d'accompli. C'est-à-dire que quand tu ne sais pas travailler avec tes mains, il te manque quelque chose dans le monde pour moi. Surtout quand tu es un intellectuel. Parce que quand tu es un intellectuel et que tu es quelqu'un qui pense, eh bien, c'est bien de penser en pensant le réel. Et le réel, eh bien, c'est ce que tu fais aussi avec tes mains. Devant la maison, il y avait un brugnon qui un jour est mort. Et au lieu de le couper, il était juste devant la porte de la maison. Au lieu de le couper, j'ai gardé la fourche maîtresse. Et puis, sur la fourche maîtresse, j'ai mis une branche de houx que j'avais taillée, qui faisait comme un oiseau. Et à partir de là, j'ai pendu un caillou sur l'oiseau. Et je l'ai pendu avec un bout que j'avais trouvé sur la côte qui était presque effiloché. Et donc, il y avait une pierre, une corde, un bout de cordage, mais qui, je le voyais, qui était en train de s'effilocher. Et puis un matin, bien entendu, il a été par terre. Et bien à chaque fois que je sortais, c'était toujours l'attente du moment où il allait tomber. Et pour moi, c'était comme... C'est de là que c'est parti. C'est comme une image de la vie qui est pendue à un fil. Et un jour ou l'autre, ça craque. Mais c'était pour moi quelque chose du... Et c'est toujours d'ailleurs, tu vois, du bonheur de voir cette chose lourde qui est pendu à quelque chose et qui, un jour ou l'autre, inévitablement, va tomber. Ah, tu vois, ça, c'est un bout de... C'est un bout de... C'est un bout de bateau, quoi, tu vois, qui a été récupéré dans le port à Etel, tu vois, il est... Il a séjourné dans la vase pendant très 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 longtemps. Tu vois, on voit encore qu'il est, il est tout noirci et a toute la vase dessus. Et puis ça, c'est un bout de bois que j'avais trouvé sur la grève. Alors, celui-là, je suis obligé de l'attacher à un arbre parce qu'il ne tient pas tout seul. Il faudrait le planter dans la terre. J'appelle ça, moi, des attracteurs d'espace, si tu veux. C'est des choses pour que l'œil s'accroche dedans. C'est au carrefour de plusieurs lignes de force chez moi. C'est pour ça que c'est un truc important. C'est lié à ce que je te dis, à la mort, à la suspension du temps. C'est lié à l'inversion des principes, c'est-à-dire ce qui est lourd
le rendre aérien. Et pour moi, c'est une quête actuellement de dire il faut inverser nos modes de pensée, il faut inverser nos manières d'être, nos modes de comportement. Si on veut sortir du merdier dans lequel on est, il faut qu'on apprenne à s'inverser. Et donc, l'idée de l'inversion, l'idée de l'air, et puis le bord de la mer, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est... Les bouts de bois sont des bouts de bois qui ont fait partie de l'univers humain. Ils ont été, pour X raisons, envoyés à la mer. Et rouler dans le ventre de la mer, c'est comme un retour à l'inconscient, si tu veux. C'est comme un retour à la matrice. Mais ils sont lavés. Ils sont prêts pour entrer dans une autre histoire. Tu vois, c'est la vieille attente de tout ce qui vient de la mer. Il y a un vieux fond naufrageur là-dedans, quoi, tu vois. Mais moi, je suis un naufrageur métaphysique, si tu veux, quoi. Tu vois, ce que j'attends, c'est pour faire des choses, non pas par la valeur marchande des objets, c'est leur valeur symbolique, c'est ça qui m'intéresse. Ici, où je viens ramasser des bouts de bois, en même temps que je viens ramasser des bouts de bois, je viens aussi raconter mes histoires. C'est-à-dire, je vais faire les deux, quoi. Je me balade sur la grève et en même temps, j'ai une histoire qui est en route, je me la raconte en marchant comme ça et je la raconte une fois, deux fois, trois... Je vais venir la raconter 20 fois au bord, ou 30 fois ou 50 fois, mais j'écris rien du tout. C'est-à-dire, je ne fixe pas une forme. Je laisse le temps faire son travail. Je laisse la mémoire rouler l'histoire comme la mer roule les morceaux de bois. Tu vois, le temps polie, use. Il y a des choses qui restent, il y a des choses qui s'oublient. Et même quand je trouve quelque chose qui me paraît génial, je ne vais pas le marquer, je ne vais pas sortir mon crayon et mon papier. Je me dis, si vraiment... c'était la meilleure forme ou la plus belle image. Et si vraiment elle est forte, eh bien, elle va revenir. Si tu veux, c'est un travail sur l'oubli, la mémoire, l'oubli, la mémoire. Et dans ce travail sur l'oubli, la mémoire, il y a quelque chose qui sort et qui est la forme de l'histoire. Après, je vais la raconter en public et le public va me renvoyer. Ou bien c'est ma chute n'est pas bonne, ou bien c'est trop long. Et là, je vais corriger après dans le travail en public. Et quand je l'aurai raconté 10 fois, 20 fois, 30 fois ou 100 fois en public, un jour, je vais l'écrire. Mais ça n'a plus d'importance parce que l'écrit, c'est comme si tu mettais quelque chose au placard, parce que je sais qu'à un moment, je vais sans doute moins la raconter ou peut-être que je vais la mettre dans un livre. Mais tu vois, ce parti pris pour moi d'être dans l'instant toujours. La ville la plus riche et la plus puissante de tout le pays, c'était Kéris, la ville basse. Elle avait été construite en dessous du niveau de la mer. Et pour la protéger de la fureur des eaux, les gens de ce temps-là l'avaient entourée d'une muraille de pierre fermée d'une porte de bois et de fer. Et pour être sûr que jamais cette porte ne soit ouverte, le roi portait toujours autour du cou la clé qui la fermait, ce roi, c'était Gradelon, Gradelon de Meur, Gradelon le Grand.
On racontait partout les exploits du roi. On disait qu'il s'en était allé un jour vers le nord et qu'il avait navigué longtemps sur l'étendue infinie de la mer grise, verte et bleue, si longtemps qu'il était arrivé dans le pays des froids et de la nuit éternelle. Et là, il avait trouvé un palais d'or et d'argent, un palais de lumière, un palais comme il n'en avait jamais vu. Et quand il était entré dans le palais, il y avait trouvé une femme d'or et d'argent, une femme de lumière comme il n'en avait jamais vu. C'était Malven, la fée du Nord. Et le roi Gradelon était aussitôt tombé amoureux de la fée. Et pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois, ils s'étaient aimés. Et de leurs amours était née une petite fille. Et le jour où cet enfant est venu au monde, le palais de lumière, la fée ont disparu. Ils sont retournés dans le monde des fées. Et le roi Gradelon est resté seul avec sa fille. Et quand il est arrivé dans la ville d'Is, il tenait dans son bouclier le plus fabuleux trésor qu'il ait jamais rapporté de ses expéditions lointaines. C'était sa fille. Il l'avait appelée Dahu, la bonne sorcière. Et le temps a passé. Le roi l'a élevée lui-même dans son palais. Et quand elle est devenue une jeune fille, il lui a construit un palais de lumière, un palais d'or et d'argent, comme celui de la fée Malven. Et à partir de ce jour-là, toutes les nuits, du coucher au lever du soleil, Dahu a donné des fêtes dans son palais. Ce n'était que musique et danse et rire et chant. Et une nuit, où le vent n'arrêtait pas de hurler sa fureur, où la mer grognait de l'autre côté de la muraille de pierre, une nuit, au milieu de la tempête, on a vu la porte du palais de Dahu qui s'ouvrait, et d'un seul coup, en haut des marches, on a aperçu un homme, tout habillé de rouge. Les gens disaient que c'était le diable lui-même, et d'autres que c'était un dieu étrange venu de l'autre côté de la mer. Mais une chose est sûre, tout le monde s'est écarté pour le laisser passer. Et quand il a été devant Dahu, elle l'a regardé longtemps. Elle a souri. Elle l'a pris par la main. Et ils ont dansé toute la nuit jusqu'au lever du jour. Et quand le jour s'est levé, on les a vus traverser les rues et les places de la ville endormie. On a vu Dahu seul entrer dans le palais du roi, son père. Et quand elle a été près du lit où il dormait, elle a tiré le poignard d'argent qu'elle portait toujours à la ceinture. Et d'un geste vif, elle a tranché le fil qui tenait la clé, qui fermait la porte, qui protégeait la ville. Et quand elle a été au bas des marches devant la porte de bois et de fer, pour la première fois depuis que la ville était construite, elle a mis la clé dans la serrure et elle a tourné une fois. Et la porte a gémi. Elle a tourné deux fois. Et la porte a tremblé. Elle a tourné trois fois. Et la porte s'est ouverte sous la poussée de la mer, longtemps, trop longtemps contenue. Et c'est toute la fureur de l'océan qui est entrée dans la ville, emportant tout sur son passage. Le roi Gradelon, il a été réveillé par Gwenolé, celui qu'on appellera plus tard Saint Gwenolé. Et Gwenolé a dit, il faut fuir, ta ville est perdue. Mais le roi, il court les rues et les places. Il cherche sa fille bien-aimée. Quand il l'a trouvée, elle est toujours au bas des marches et elle regarde monter la fureur de la mer. Il l'emporte derrière lui, sur son cheval. Et à ce moment-là seulement, il quitte la ville d'Is. Et Gwenolé galope à ses côtés. Et quand Gwenolé se retourne, il aperçoit derrière eux la fureur de la mer lancée à leur poursuite. Il crie, « Roi Gradelon, rejette le démon qui est derrière toi, sinon nous sommes perdus. » Mais le roi, il n'entend rien alors. Gwenolé a levé son bâton d'évêque et d'un seul coup, il a frappé Dahu qui est tombé dans la mer sans pousser un cri. Et quand elle a été avalée par la mer, la mer aussitôt s'est arrêtée de monter. Et quand le roi Gradelon et Gwenolé se sont retournés, là où il y avait autrefois la ville la plus riche et la plus puissante de tout le pays,
Il n'y avait plus que l'étendue infinie de la mer grise, verte et bleue. Et le temps a passé. Et les pêcheurs racontent que certains soirs, on aperçoit Dahu sur le bord de la grève qui peigne ses longs cheveux. Et les gouttes d'eau qui tombent de sa chevelure sont comme des perles d'or. Et les pêcheurs ajoutent qu'une fois tous les 100 ans, à la grande fête de la Samin, la mer s'ouvre en deux et on aperçoit la ville telle qu'elle était le jour où elle a été engloutie. Et les pêcheurs ajoutent que si quelqu'un est assez audacieux pour descendre au fond de la mer, s'il prononce une seule parole humaine, la ville ressortira des eaux telle qu'elle était le jour où elle a été engloutie. Et les pêcheurs ajoutent que le premier homme qui entendra les cloches de la ville 10 sonner, celui-là, il deviendra le maître de la ville et de tout le pays alentour. Pour moi, être conteur, c'est pas simplement prendre des histoires, les faire les miennes et dire c'est à moi. C'est bien sûr, je suis content que mes histoires plaisent, que les gens rient ou m'applaudissent ou qu'ils aient de l'émotion. Je veux dire, ça, c'est le travail de la scène. Mais derrière ça, il y a une part de moi qui est au service des histoires et que, de toute façon, il faut les raconter. Et c'est pour ça que je raconte des histoires sur la mort, sur l'Ankou. Je raconte les mythes, même si les gens n'ont pas envie de les entendre. C'est pas parce qu'ils n'ont pas envie de les entendre que ça doit pas être raconté. Parce que, d'une certaine manière, ça appartient à tout le monde. Ça appartient au-delà de ceux qui écoutent actuellement ou qui vivent actuellement. Les histoires doivent être racontées. C'est comme, pour moi, ce sont des archétypes, quoi. Ce sont des grandes figures symboliques. Et il faut bien qu'il y ait des gens qui acceptent de les entretenir, d'être le serviteur. Comme il y a des gens qui sont croyants et qui vont aller adorer leur Dieu, bien moi, d'une certaine manière, mon mode de croyance, c'est de faire vivre les histoires, même si les gens n'ont pas envie de les écouter, parce qu'ils ne savent pas, mais elles les dépassent. Elles sont peut-être plus anciennes que les humains. Qu'est-ce qui est premier? Est-ce que sont les... Et pour moi, c'est une vraie question de fond. Plus je vais, plus je me pose cette question-là. Est-ce que c'est moi qui raconte le roi aux oreilles de cheval ou le cheval comme un animal mythique, ou est-ce que c'est lui qui se sert de moi pour être raconté? Est-ce que c'est moi qui raconte les fées, les sorcières, ou est-ce que c'est elle ou Merlin? Est-ce que... Quelle est la... Qu'est-ce qui est premier? Et c'est drôle parce qu'au début, comme tout le monde, tu prends des histoires dans des livres, tu crois que c'est de la matière qui est là, posée. Et puis tu te rends compte qu'en fait, c'est comme les princesses, que ça dort et puis que ça se réveille. Et quand une histoire se met à vivre, elle dépasse celui qui la porte, celui qui la fait vivre. Et plus l'histoire est forte et grande, plus elle dépasse celui qui la fait vivre. Et en même temps, elle n'existe pas s'il n'y a pas quelqu'un pour la porter. Après, quand j'ai parlé beaucoup à un moment, il me faut des moments de silence. Si tu veux, alors je vais marcher, tu vois, c'est mon bonheur, c'est une manière pour moi de mettre le silence dans ma tête, c'est de me mettre le chemin sous les pieds et puis l'horizon dans les yeux. La parole pour moi est l'inverse du silence, mais le but est d'arriver d'une certaine manière au silence, ou du moins d'équilibrer le trop de paroles par le silence. Je cherche une écriture qui est une écriture comme une parole, et en même temps, je suis toujours en train d'essayer de la resserrer au maximum. Et si j'arrivais à écrire 12 phrases définitives sur le monde et sur ma vie, j'aurais vaincu la mort, parce que c'est toujours cette quête-là. Et en même temps, je ne peux pas m'arrêter, tu vois, quand je te parle,
J'essaye de décrire un monde et en même temps je sais que c'est vain parce qu'on n'arrive jamais à en cerner qu'une des facettes. Et je suis toujours, et c'est en ça que je suis encore vivant, je suis toujours en train de cerner les facettes. Mais j'aimerais un jour arriver à me dire, bien, finalement, je cerne rien. Et il y a une histoire qui tu vois, quand on parlait d'histoire de sagesse, il y a une histoire qui est fabuleuse là-dessus que je raconte parce qu'elle me tient. C'est un jeune gars qui monte sur le trône après que son père est mort, et comme il connaît rien, il demande à tous les savants et les sages du royaume de lui rassembler tout ce qu'on sait sur l'homme. Alors, les sages et les savants se mettent au travail, et puis 20 ans après, ils reviennent dans la cour du château, et ils ont une caravane avec des chevaux, et quand le roi s'approche, il y a le plus vieux qui dit, ben, roi, tu vois, tout ce qu'on sait sur l'homme, il est dans ses sacs, et à l'intérieur des sacs, il y a des livres, et tu sauras tout. Et quand le roi voit ça, il dit, mais comment est-ce que tu veux que je lise ça? Si je me mets à lire tout ça, j'aurais pas le temps de m'occuper des affaires du royaume, on pourrait pas faire quelque chose d'un peu plus court? Alors ils repartent, et puis pendant 20 ans ils travaillent, et puis au bout de 20 ans ils reviennent, et cette fois il n'y a plus que 3 chevaux, et puis ils ont 3 sacs, et il y a un certain nombre de sages et de savants d'ailleurs qui ne sont plus là, les autres ont vieilli, et le roi aussi il a vieilli, et quand il voit ça, il dit, bah, c'est bien, 3 sacs avec des livres, mais j'ai la vue qui baisse, je commence à me faire vieux, j'ai plus beaucoup de temps, si je m'occupe de ça, je ne vais pas m'occuper du reste, est-ce que vous pourriez me faire quelque chose d'un peu plus court? Et puis à chaque fois ils reviennent, et à la fin, il ne reste plus qu'un vieux sage, et quand il arrive dans la cour du château, eh bien, il y a personne pour l'accueillir. Alors il monte les marches, il rentre dans le palais, c'est le silence partout, il erre dans les salles, et puis quand il arrive dans les appartements du roi, il entend des pleurs, il pousse la porte, et puis il voit tous les gens du palais qui sont là, autour du lit du roi, et puis le roi est dans son lit, puis il est en train de mourir, il est très vieux. Alors le sage s'approche de lui, tout le monde s'écarte pour le laisser passer, et puis il porte sur l'épaule un tout petit sac. Il ouvre le sac et il sort du sac, il sort un livre. Il prend le livre et au moment où il va le donner au roi, il voit bien que le roi a les yeux fermés et puis il respire à peine. Et au moment où il va dire, voilà, tout ce qu'on sait sur l'homme est contenu dans ce livre, il se rend bien compte que le roi est en train de mourir. Alors il prend le sac, il remet le livre dans le sac, il le referme et il se penche vers le roi et lui dit, roi, je vais te dire tout ce qu'on sait vraiment sur l'homme. L'homme naît, l'homme grandit et l'homme meurt. Et le roi, il a souri et puis il est mort.